Mais non! Putain, un pouf! Cette run qui a fait pouf aussi vite qu'elle est venue. On n'est même pas arrivé, oh là là. Vas-y. Vas-y, s'il te plaît, une run qui fait des trucs là. J'en veux plus là, ce premier cycle. Putain, non, mais ça c'est abusé par contre. C'est franchement abusé. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton. Bon, cette fois on fera extra gaffe toutes les runs de bien attendre avant d'appuyer sur reset. Parce que c'est terrible ça. C'est bon. 19 minutes de run là dans le vent, c'est un peu relou quoi. Allez! Ce serait bien en plus, c'est pas cool pour vous quoi, tout ce que vous avez vu là, 1 heure de stream, on a fait 50 minutes de premier cycle je pense, à peu près, donc bon, ça serait bien qu'on avance dans le Schmilblick, ça serait bien qu'on aille dans des donjons, qu'on fasse des trucs. Ou les cœurs. On y arrivera. Et on fait gaffe de bien. C'est abusé, je suis sûr que ça aurait dû sauvegarder. Ouais, en vrai. Parce que j'ai vraiment. Je suis persuadé d'avoir appuyé sur le bouton A avant d'avoir joué. Le jeu, il aurait dû. Il aurait dû. Vous auriez dû. Ça me fait penser à une YouTube poupe, tout ça. Allez, et cette fois on va réussir le premier trick. Cette run était vouée à l'échec, c'est pour ça qu'elle a reset. C'est pour ça. C'était voué à l'échec. J'ai toujours en travers de la gorge la run qui est morte parce que. Apparemment, la statue n'a pas été touchée. Faut vraiment que je regarde la VOD, parce que ça me trucide. Ça me trucide que j'ai oublié de toucher la statue. Alors que ça se passait bien en plus. J'avais un bon run, j'avais un bon temps sur Sonata, un temps en bois. Enfin, c'était comme le PB. Mais justement, si j'arrive comme le PB, déjà, franchement, c'est bien. Parce que vu le temps qu'elle a gagné sur le PB. J'arrive le début comme mon PV, franchement déjà, c'est déjà qu'il y a des dizaines de minutes à gagner. Pincé à l'aide.
Putain, qu'une seule run me finit sur 15 de lancer, c'est quand même pas terrible. On va pas se mentir. C'est quand même pas terrible. Tellement on a vu ce premier cycle et tellement son histoire est triste. Non, c'est faux. Si je devais pleurer, ça serait plutôt parce que on a vu une heure de premier cycle et rien d'autre pour l'instant. Sur ce tribunal. Quel intérêt de retourner le sablier? Il n'y en a absolument aucun. C'est juste pour retourner ce sablier qui est là. Mais si t'as cru qu'il y avait un intérêt pour les points de chaîne Asphodel, tu te trompes lourdement. On a perdu plus de temps, mais bon, peu importe. Au moins, c'est réussi. Mais ouais, c'était. J'ai fait une frame trop tôt. Je me suis retourné une frame trop tôt. Non. C'était pas la bonne histoire. Je me précipite, ça y est. Je me précipite. Oh.
Please open, open the door. Oh, ce Bombers a envie de me parler. Dommage, je n'ai toujours pas envie, moi. Allez, va-t'en. Je suis pas sociable. Pas sociable. Prends exemple sur Asphodel, cher Bomber. Et ne viens pas me parler. Enfin, ou alors sur un chat, si tu veux. Ça, ça me va. Mais hey, t'imagines, tu vas dans la rue et y a un mec qui est comme ça là. Hé, hey, hé, hey, viens me parler. S'il te plaît. Ce serait relou quand même. T'en pourrais plus. Rien ne sert d'aimer les gens. Belle phrase. Voilà. Les discussions, c'est nul. L'argent, c'est bien. Quitte à enfreindre la loi et à passer à travers un garde. Malheureusement, on n'a pas tous la même chance. Cette Ruby, ça pourrait être pire, j'imagine, mais c'est quand même pas grandiose. Hein. Si vous en avoir 60, faire mieux. Ah, ça, c'est mauvais. Ça, j'aime bien. On était pile poil. Pile poil au bon endroit. Ce qui est dommage, c'est que j'ai. 21 rubis, putain, mais c'est encore pire que la dernière fois. Faites pour les faibles d'esprit. Voilà, faites un truc. Où il n'y a pas de loi. L'anarchie. La dictature ou l'anarchie. Par contre, 30 rubis, putain, le jeu fait un effort quand même. Ah, merci. Voilà, l'effort a été fait. Allez, petit effort encore. Petit effort à faire, le jeu. Mais vraiment tout petit. Allez, un petit détour pour un rubis. Bon, de toute façon, on est en retard. Bon, c'est pas ça qui aurait changé grand chose. Pas changé grand chose. Bon, on appelle ça l'intérêt de soi versus l'intérêt de la communauté.
L'intérêt de la communauté, c'est la loi. A priori. Il y a des exceptions, évidemment. Hein. Et l'intérêt de soi, bah des fois, ça peut être d'enfreindre la loi. Donc c'est ça le problème aussi. Des fois, oui, si tout le monde respectait les lois, ça serait merveilleux. Mais il y en a qui sont égoïstes. Et ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Hein. On est tous un petit peu égoïstes à notre façon. Are you listening? What are you doing to my brother? Allez, cette run, c'est la bonne. Et en plus, on va peut-être même avoir un best segment. Je sais pas, merveilleux. Peut-être. Non, en fait, non. Bon, en fait, non. Il y en a quand même qui, presque 40 secondes devant. C'est déjà pas mal. Oui, mais c'est parce que, bah oui, j'ai parlé une fois à la grand-mère, forcément. J'ai parlé une fois de plus à la grand-mère, donc ça aide pas. Ça n'aide clairement pas. Allez, cette run, je la sens bien. Je la sens bien. Bim. Get yourself together. Merde. Peut-être le sortir au cas. Allez, cette fois, hein, on appuie bien sur A, surtout. Quand même mieux. Allez, plus que quelques minutes de cutscene et le gameplay va arriver.
laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je me mets bien. Excusez-moi. Attendez. Je vais juste revenir. Après ça. Hop. Monsieur Capucha. Comment on va? Comment s'est passé l'anniversaire de Bebey? Ah ça va, tranquille. Allez, on est sur une run qui est green. Regarde, c'est incroyable. Le premier cycle qui est green. Elle a eu plein de cadeaux. C'est merveilleux. Merveilleux. Toi, t'as pas eu les cadeaux, putain. On donne des cadeaux à bébé, on en donne pas à Capucha. C'est trop triste, j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. C'est un bon argument, c'est vrai. Capucha, on lui offre de la bière. C'est bon, il est partant. Tu dis toujours oui, Capucha. C'est merveilleux. Vas-y, viens, et de la bière à Chalon aussi. On a encore des stocks de bière venant d'Allemagne. On en a plus beaucoup par contre, hein, je te préviens. Le man y vient, tout de suite. Tout de suite. Il prend le train et il vient. Il prend le train à... Merde. 22h30, tout va bien. Allez, je voulais retirer, merci. Non. Alors j'aurais bien aimé ne pas gâcher ce chou, mais...
Là, c'est bon. Le hibou, il est bien. Non, il a ses ailes. Il a ses ailes déployées. Mais... Parle-lui. Mais... Okay. A sword. Bon, vas-y, man. Allez, c'est le moment. C'est le moment de faire des trucs. C'est le moment de performer. Non, ça c'est pas performer. Ça c'est faire de la merde. Non, secours. Voilà. Terrible quand même. C'est pourtant pas dur, nom de Zeus. Mais non, putain, faut pas faire ça. C'est quoi cet angle? C'est quoi ça? Allez, vas-y, vas-y à pied. Non. C'est chiant de rater que tu void. Non, trop à droite. Je sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Ok, bon. J'utilisais tous mes choux au cas où, hein, tant pis. Un peu chier, mais bon. Ce sera toujours mieux que de fail. C'est pas terrible, quand même. Parce que bon, devoir déjà racheter des choux. Dans une run normale, les 20 choux que j'ai, ils me font jusqu'à la fin du cycle. C'est-à-dire, ça inclut Woodfall, ça inclut Snowhead aussi. Donc bon, c'est quand même pas terrible. Mais bon, pour l'instant, je vais pas m'en plaindre. On n'est pas encore à ce niveau-là, donc... Tant pis si je dois faire des détours, c'est pas très grave non plus. On est passé de moins 33 à plus 38, dis donc. 1 minute 12 de perdu. Le mauvais. Le mauvais. C'est pas...
Bon, en vrai... Oui, c'est sûr, hein, j'ai Void et j'ai utilisé 20 choux. C'est sûr qu'on peut faire mieux que ça. Hein. Ça. Que tu sois prêt pour demain. Ça marche. N'oublie pas de m'envoyer, de regarder le replay de ton match compétitif ou de m'envoyer un autre si tu veux. Pour que je puisse regarder. On verra. On verra ce qu'on fait. On verra bien ce qu'on fait. Ouais, même, ouais, bah nous on sera peut-être en course par contre donc pas sûr que je pourrais moi. Ouais, t'inquiète, hein, vas-y. Mais après, tu peux quand même m'envoyer les replays et je te fais une petite vidéo commentary, hein, ça me dérange pas non plus. Waouh, incroyable, la statue marche. C'est fou. Si, complètement fou. A toute Capucha, bonne nuit. Ah, je suis pas si loin que ça. Oh ouais, j'étais pas si loin que ça. Mais il me l'a jamais fait en ce moment. Il me laisse jamais faire le Sadibo. Je me tape encore cette. C'est pas. Je me suis tapé dans le PV aussi. De toute façon, Heroes Bow, je serai encore en retard. Après, par contre, c'est Odol, ouais. Là, on a eu beaucoup de temps à gagner. Merci. Pas trop ce qui s'est passé, mais... pas jouer d'un instrument, désolé. Très en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant cette cutscene? N'est jouer un instrument. Manger. J'ai rien sous la main, malheureusement. Rien à me mettre sous la dent. Boire de l'eau dans ce cas. Puis bon, boire, c'est pas très intéressant à regarder. Thank you.
Je me suis toujours pas entraîné au Super Slide. Putain, faudrait que je fasse ça. Je ferais peut-être ça avant d'aller dormir. C'est intéressant à faire. Ah bon? Moi de dire que c'est discutable. Boire, c'est quand même quelque chose. Tout le monde fait. Ah bah non. Allez. Hyper vite. Ok, bon, c'est pas grave. J'ai compris. Le jeu, il avait pas envie. Ah non, Link. Faut pas monter sur le poteau. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai postillonné sur mon écran. Bravo. Bravo le haut. C'est bien. Allez, en plus j'ai perdu un cœur. Nickel. Tout était prévu. Allez, go acheter des choux. Bah non, bah non. C'est quoi? Ce sera limite plus rapide de suicider. D'ailleurs, j'aurais dû attendre en fait. Allez, bombe et deux bombes de choux. Bon, allez, on a 20 bronzes, 20 choux. Thank you.
Ah. Mais cet angle est pas bon. Okay. Je pensais qu'il serait pas bon. Ouais. Finalement, si. En vrai, j'aurais dû attendre avant de faire ça parce que bon, ouais. Peu de chance que ça ait vraiment un intérêt. Non ? Il y a peu de chance que j'ai vraiment besoin de faire ça, quoi. Mais bon. À mon avis, on en aura besoin. Anyway. C'est pas très grave. Au moins, ce sera fait. Rapide, mais c'était mieux que de galérer 10 ans. C'est mieux que le PB quand même. PB qui a fini par faire. Par aller chercher la boss kill anyway. En plus. Donc bon. Non, mais ça... C'est pas grave. Je fais tout dans le désordre. Super. C'était merveilleux ça. J'aurais bien aimé que tu targettes le mur quand même, Link. Mais du coup, Link, il est super clair. Ça, il est redevenu normal. Ah, c'est bon. J'espère que 2 ça suffit, mais ça fait peur. J'ai un petit peu peur. C'est un scandale. Un scandale que ce soit passé, mais je vais pas me plaindre. Let's go! Voilà! Ça, c'est de la time save, comme on les aime. Allez, saute! Saute! Merci. Nice! Incroyable! Waouh, 11 minutes 42 de gagné. Dis donc. Dis donc. Que s'est-il passé? Bon, ça fait plaisir, un truc qui passe first try. Bon, maintenant, il y a le bye skip. Mais bon. Ça, on le mentionne pas. On le mentionne une fois qu'il est fini. Le reset skip. Bah non, enfin... En vrai, mon run, il a fait quoi? Regarde, PB 25 minutes, best 10 minutes. Et à un moment...
peut forcer, hein. Je pense qu'on peut forcer un petit peu. Hein. Faut juste faire gaffe à pas toucher la statue et à pas... si je me téléporte, à pas prendre de direction. Sinon, bon... Pas de raison, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. We got this. Regarde, 11 minutes en avance et en vrai, on pourrait encore en avoir une bonne vingtaine en plus dans tout le run, voire 30. Le Sum of Best qui est passé de 1h59, 50 je crois, un truc comme ça, à 1h58. Dis donc. Dis donc, dis donc. You learned Oath to Order. Call us. That's what it's saying. Bon après ce qui est cool en plus après Odelwa, c'est qu'il y a un trick assez cool, un HESS assez cool. Mais il est pas facile. Il passe clairement pas tout le temps. Bon, on verra. Peut-être. Il peut peut-être passer. Yo Peach. Enfin re plutôt. On s'est déjà vu cet après-midi. For people. Ce passage de Oath to Order te fout les jetons. Moi je trouve que c'est bon. C'est une jolie musique. Après, dans ce run, on le verra qu'une fois, donc bon. T'inquiète. Hein. Oui, c'est un peu triste. De toute façon, la musique est faite pour être triste. Hein. Chaque fois, je me trompe. C'est quoi? Ocarina. Ça. Oh, incroyable. J'adore cet HESS, il est juste trop stylé. Ah! Dommage. Dommage. Je vais pas aller jusqu'au bout. Mais bon, c'était pas mal quand même. Dommage, mais c'est déjà pas mal. Salut gros de Link. Alors hop. Et c'est parti. Allez les choses sérieuses. Ouais ça va tranquille. Tranquille, tranquille. Bon on arrive à une partie de la run. Là, on arrive à la partie la plus difficile de la run. Je vais me concentrer. Ah, j'ai pas...
vitesse. C'était trop bizarre, j'ai perdu de la vitesse. Je pense que... Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Je me doutais bien que j'allais pas le faire du premier coup de toute façon. C'était insane. Sérieux. J'ai même pas réussi à lancer la chouette. Aïe aïe aïe, allez là. Quand même. Fais des trous. Purée, mais... Vraiment, là. Voilà. Et merde. Pas trop rester bloqué quand même. Sinon, on va se retrouver avec une boule de neige dans la gueule. C'est bon. Je crois que ça peut le faire. T'es pas loin de me taper, lui. Saleté. Non, je suis bloqué. Enfin, je suis peut-être pas bloqué, mais... Ça pue. Ouais, mais casse-couille en même temps. Hein. Je veux dire, je reste bloqué comme ça. Toute façon. Bah ouais, mais si Link il était pas resté bloqué comme un abruti aussi. Enfin, je sais pas si j'étais vraiment bloqué, mais. Ah, il aurait pu sortir de là, quoi. Mais ça, je peux rien y faire en plus. Hein. Quand ça arrive, vraiment. Je peux rien faire. Ça passe. Pff, bah de toute façon c'est trop tard, hein, maintenant je suis obligé d'y aller. Ah ça peut passer. Contre les wall faux, ça va falloir vous détendre. Vraiment. Je vais prendre une boule de neige aujourd'hui. Non ça va. Alright. Allez. Donc, concentration. Où est-ce qu'elle va apparaître la saleté. Ok, je devrais pouvoir la doubler. Ok, nickel. Ça dégage. Normalement, maintenant, si on fait pas de conneries. Okay.
Ah, au secours. Et au secours, j'arrive pas à me loger. J'arrive pas à me loger, pire qu'un étudiant en juillet. Et c'est bon. Voilà. 25 minutes d'avance. Rip les étudiants. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est moins bien, ça. Ça c'est moins bien, monsieur. Encore le clip en version longue, je sais pas. Je t'avoue que je suis pas né chanteur, mais si quelqu'un veut prendre les paroles, c'est libre de droit, hein, si vous voulez. Marche à Sodel à toutes. Bon, est-ce que il y a des cœurs là-dedans? Non, il n'y a pas de cœur. Ça fait chier. Ça fait plutôt chier. Parce que là, ok, bon, on va faire bien attention. Voilà. Si je me loupe et que je meurs, ça va vraiment pas le faire. Hop. Merde, c'est juste là. Pour une fois qu'il était au bon endroit. Voilà, encore un best. Skyward Divine. Putain. En vrai, ce serait pas mal. Hein. On va trouver le reste des paroles. Ce serait incroyable. Ok. Voilà. On n'est pas tombé. Merde, j'ai oublié un truc fondamental. Fais chier. Ouais, moi j'ai pas le choix, hein. Faut que je le fasse. Je sais pas où le faire ailleurs en fait, donc. N'est pas bien le choix. Merde, mais je suis con. Il faut que je fasse ISG avant. Et bah, décidément. Divague, vague. Ah, là là là. Sacré blague. Non, qu'est-ce que je... C'était pas ce que je voulais faire. C'était pas ce que je voulais faire. Pas non plus ce que je voulais faire. Merde. C'est quoi, j'ai pas confiance, je vais reprendre des bombes et je vais me reprendre des cœurs aussi.
Non. Pas de chance, je suis tombé dans la lave. Évidemment. Bon, c'est pas... Si, c'est grave parce que je dois refaire son strike, putain. Non, c'était pas fou de faire ça quand même. Oh là, mais non. C'était vraiment pas terrible. C'était vraiment, mais vraiment pas terrible. Après, je suis mort après avoir eu les flèches de feu, ce qui est pas si mal. T'as mis qu'un an à le développer. Pas mal, pas mal. Putain, merde, quelle mort nulle quand même. Quelle mort nulle quoi. Je voulais juste récupérer des cœurs. Ouais, c'est clairement pas terrible ce que j'ai fait. Non. Mais... Ok, ouais, c'est pas grave, petit fail, mais c'est moins fail qu'avec le Global Skin. Pour l'instant, on est toujours largement en avance. Mais Link, non, il faut que je fasse le Song Storage en plus. C'est vrai. Si des personnes se marient, on peut dire qu'ils se marient. Waouh! Alors celle-là est pas mal. En vrai, si on devait en retenir une, celle-là, franchement, je la retiens. Purée, mais j'ai vraiment raté mon long jump quoi. Long jump! Bonjour! Un des tricks les plus faciles. J'arrive toujours à le rater. C'est merveilleux ça. Purée, mais j'ai du mal quand même hein, avec ce long jump, dis donc. Allez, la caméra s'il te plaît, reviens. Voilà! Merci, maintenant on a le cœur, on a les bombes, c'est bon. On peut continuer. Arriver, ça n'aurait pas dû arriver, je suis pas d'accord. On va reprendre les bombes parce que au cas où. Bon, en vrai, même des choux, j'en ai trop là. Allez, c'est pas grave. Mais bon, ce serait bien de rattraper quand même parce que là on commence à perdre du temps tout bêtement. Mais oui, bah oui, évidemment. Je fais ça. Ça ne va pas le faire. Je vais pas assez vite là. T'es sérieux? Ok. Ça paraît chelou, mais. Mais alright, si tu le dis le jeu. Ah
C'est pas grave. Ah, t'es sérieux, allez. Non, mais non. Mais non. Mais non. Ouais, mais ça c'était nul ça. Si c'est bon, je devrais le faire maintenant. 0 chou. Bon, finalement, c'est 5 chou. Furent bien utiles. Ça, c'est pas juste. C'était pas très gentil le jeu. Parce que ça aurait pu passer, ça. Allez, 3 chances. Voilà. Bon, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Whatever. On perd 3 minutes. Ça sera du time save. Comme on dit. Ça sera du time save pour les prochaines runs. Après, il était très performant. Ah, on est toujours 23 minutes en avance. Je pense qu'on a de la marge. Alright. Faut que j'achète 10 bombes. Non, attends. Le tarot est un bon jeu de cartes. Les lignes coulent en sans plomb. Non. Il roule en diesel. Un Groudoling qui est on fire. On literal fire. Le man. C'est pas à toi que je veux parler. Au secours. Attends, s'il te plaît. Non, attends. Alors. C'est pas ce que je voulais faire. Pire time loss ever. Alors ça.
Mais en vrai, je devrais équiper le... Mais... Bro. Ah, cette vieille time loss pété que je viens de me prendre. C'est un scandale. Un scandale. The ocean, where is the New Zealand? There are seals, but in USA we have seals. Ok, là j'avoue que j'ai pas trop compris. I did not understand the joke, my good friend. Oui, j'aurais dû le remplacer Chou par le carré. Seals, fuck. Oui, oui, ça j'avais compris. Alors, c'est une blague avec les phoques et les sauts. Enfin, parce que c'est Seals en majuscule. Alors, non, hop, hop. Non. Voilà. Ah ok. Mais pas du tout Link putain, je voulais pas que tu... Mais oui, je suis con. Mais oui, j'ai fait Ocarina item là. Mais oui, j'ai oublié de tromper. Merde! Putain, mais je devrais bientôt avoir déjà les Aitaro, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce split tout pourri? Mais non, j'ai pas pris le bon truc. C'est pas possible. Putain, mais tout un split! Bam! Je suis allé parti pisser, là, en fait. Putain, mais quel boulet! Mais je la connais la run pourtant, c'est quand même pas compliqué. Bon là c'est quand même triste. Hein. C'est quand même triste de perdre autant de temps sur autant de merde. Genre je viens de reset deux fois quand même. Alors c'est vrai que c'est le début du cycle, mais quand même. Peu triste. Waouh, on est déjà en train de perdre du temps et je ne suis même pas rentré dans ce tuto. Putain, merde, c'est vraiment débile, ça marche. Bon, après, je suis toujours largement en avance, c'est l'avantage. Faudra peut-être arrêter de faire des conneries. Non, c'était ça qu'il fallait faire avant. Mais qu'est-ce que je fous, ouais. Voilà. Voilà. Nickel. Oh.
Mais non! Putain, je vais y arriver, hein. On va y arriver à rentrer dans Stone Tower. Hein. Je vous jure. Hein. Putain. Oh là là, c'est quand même galérien, man. On va peut-être arrêter. Là, on galère vraiment beaucoup trop. Voilà. Alors, bombe, et surtout on remplace au grand jamais cette bombe. Ah, ça fait chier, on avait plus de 20 minutes et là on va se retrouver à quoi, 15 minutes même pas. C'est un peu dommage quand même. Mais bon, on peut peut-être faire un sub 2 quand même. Sub 2 est toujours largement faisable, je pense. Ah. Non, c'est bon, j'avais le bon sens. Je sais pas trop où j'étais. Non, t'es sérieux? C'était quoi ça? Ah non. Ah bah non. Double non. Vraiment de gâcher deux trous. Surtout les bombes que je gâche. Et ça, c'est pas. C'est pas bien! Non, mais mec! Arrête! Bon, encore 10 bombes. C'est pas énorme, mais. Gâcher moins que ça quand même. C'est-à-dire, j'ai le luxe d'avoir plusieurs bombes. J'arrive à les gâcher. Merde, je suis con. Oh, n'importe quoi. Il faut vraiment que je réapprenne les écoutes, parce que c'est pas terrible. Voilà, un split quasiment double, on vient de faire. 6 minutes de retard. Nickel. Clean.
Bon, ouais, là, le script pool mode, il y a beaucoup de temps à gagner, donc je m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas le moins du monde. J'ai plus de magie. Putain, mais... C'est impossible, ça. J'ai utilisé les bombes, hein, évidemment. On est déjà limité. Voilà. Oh là là. Mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué ces histoires. Maintenant faut. Ouais, faut que je réussisse le truc first try. Hein. Parce que j'aurais pas de deuxième chance. Hein. Plus que 10 choux déjà. Ça sert à rien de les remplacer. Sans déconner. Plus que 10 choux. La tristesse. Après, je crois que pour Great Bay, j'ai plus trop besoin de chou. Non, bah non, mais il faut que je... Il faut que je prenne de la magie, de toute façon. Gâcher une bombe, c'est un plaisir. Si bon, c'est chaud. Hein. Je crois que vraiment le minimum du minimum dont j'ai besoin, c'est 5. Mais non, mais la caméra! Non, mais non. Ouais, bah là, c'est fini, je vais le voir. Non, ça casse les couilles là, par contre. La caméra, qu'est-ce que tu fous? Bah ouais, mais maintenant je suis dans la merde. Ah, maintenant je suis grave dans la merde. Je pense que y a plus trop d'espoir. Hein. Je crois que l'espoir est un peu mort là. Oui, oui c'est bien. Caméra. Voilà, c'est mort là. Attends, ça fait. Il me reste 2. Peut-être qu'avec un certain nombre de chou, je peux m'en sortir, mais ça va être compliqué. Hein. Je vais pas vous mentir. Allez, monte. Allez, bon, ben, c'est mort. C'est mort, frérot, c'est mort. Non mais de toute façon, en plus oui, je vais prendre des stocks. Putain, merde. Oh là, mais j'avais 20 bombes en entrant dans Stone Tower et j'ai réussi à toutes les gâcher. C'est incroyable. Où est la fée? Bon, 12 bombes. Franchement, 12 bombes si j'arrive pas à m'en sortir. C'est pas quoi faire. C'est pas quoi faire si avec 12 bombes j'arrive pas à m'en sortir. Ah,
Ah merde, est-ce que je peux utiliser ça? Je pense que ça pose pas de problème. Alors ça et ça. Non. Sérieux? Bon allez. Une fois je vais y arriver. Parce que franchement c'est con, Yann. Il y a vraiment beaucoup de temps à se mettre avec tout le mode remake là. Et là je devrais déjà être, ce segment devrait déjà être fini. Mais c'est pourri ça. C'est quoi ce méga flip? C'est pas un méga flip ça, c'est de la merde. Trop tôt. Mais comment ça trop tôt en plus? What the fuck? Je comprends pas ce trip des fois. Mais je suis à 10. Mais je suis à 10 km encore là. Pas possible. Pourquoi j'ai aucune vitesse. Voilà, mais non, là par contre je veux bien. Là effectivement j'ai fait de la merde. Non mais il faut que j'arrête de faire ça. J'ai plus qu'un cœur. J'ai plus que 5 bombes. Je vais encore perdre du temps là. Non. Putain, mais cette run elle était bien. Et maintenant je suis nimp. T'es sérieux? Franchement, cette partie elle est pas dure en plus. Tu peux faire un peu plus, s'il te plaît? C'est pas bon ça. Bon. J'ai plus de bombes, mais. Bon, après, j'ai une fée, heureusement. Donc, c'est pas grave si je meurs. Sans déconner. Bah, du coup, ouais, je peux mettre qu'une seule flèche en plus dans ce twin mold. Casse les. Pas, surtout pas sur le bouton.
c'est pas grave. Ouais non, on a eu le fait. Même pas le juste pour être safe, en plus ça fait, c'est parce que t'en as besoin pour le time stop. Pour Stone Tower. Après j'ai vraiment pas bien joué sur ce segment. C'est à se demander comment je suis encore en avance par rapport à mon PB. Je me souviens plus de ce que j'ai fait dans mon PB, mais ça devait pas être joué. Après je me rappelle avoir galéré sur tout. Quand j'avais plus de flèches et tout, c'était la merde. Right! On a gagné que 2 minutes alors qu'on en a 10 à gagner, mais bon. Toujours mieux que rien. C'était clairement pas terrible. Nice. Ouais, 1 minute 35. Pourrait mieux faire, hein. Mais bon. Bon, New Wave Bossa Nova, je pense pas qu'il y ait énormément de temps à gagner. Par contre, le problème, c'est que j'ai plus de chou, et ça, c'est pas ouf. Quoique, est-ce que j'ai vraiment besoin de chou? Ah, j'en ai besoin d'un petit peu, quand même. Combien j'en ai? J'en ai que 3. Ah, remarque, 3, ça peut suffire, je crois. Je crois que 3 ça peut peut-être suffire. Tiens, j'ai une fée. J'ai une fausse fée, dis donc. Mais merde. Non, j'ai fait de la merde. Attendez. Je vais juste passer une loading zone et une refroidir. Parce que ça, ça sent pas bon. Ouais, après, il y a eu pas mal de paractis quand même derrière. Mais c'est vrai que bon. Ça, si on arrive à finir notre deuxième run en 15 runs, c'est ok, ça me va. Ça me va. Je dirais comment y aller, je pense. Je vais pas me faire chier à essayer de faire le super swim ici, parce que c'est juste trop compliqué et pas assez constant. Bah, le NI%, je pense que c'est vraiment une des catégories les plus difficiles. Mais bon, justement, c'est très intense et c'est joli à regarder, je trouve. Et même tout court. Moi j'aimais bien le glitchless aussi. C'est vrai que le glitchless OOT par exemple ça m'attire, mais alors pas du tout que le glitchless MM, j'ai bien aimé. Alors sur OOT, bon après faut dire que j'ai fait beaucoup de no-hit et que ça doit jouer un petit peu sur la balance quand même. Genre juste un petit peu. Putain, comment on fait? Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle comment on fait OI. Non! C'était pas comme ça, et je sais pas comment on clip à travers, donc bah... Ouais. Et sur Beta OOT. Bah c'est sûr, ouais, parce que déjà rien qu'en No-Hit, les cutscenes, ça me saoule un petit peu. Mais en vrai, le glitchless OOT de toute façon ne m'attire pas tout ça. Un leaderbot de l'heure OOT. En vrai, ouais, ce serait pas mal parce que les cutscenes. Quel enfer!
Alors. Attendez, non, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. 1h16 de cutscene, c'est horrible. Merde. Oh là là. Le man equip swap quand il veut. Allez, ça fait 2. Ça fait 3. Tu penses où, Natimet, sur OOT en glitchless? Nice. Ouais, ouais, sur Better OOT, why not, hein, après. Si ça te plaît. Ah, dommage. 4. On s'en sort bien sur les écoutes, parce que ça fait plaisir. Ah, il suffit que je dise ça. 5. Allez, un dernier, et après on peut tout déposer. Oh, first try, baby. Il y a une nouvelle route sur, sur le glitchess, ah ouais? Il y a quoi de différent? Qui est totalement Goron Tunique. Attends, comment tu fais ça? Comment tu fais ça glitchless? J'ai besoin de ça et de ça. Si j'y pense, sinon envoie-le sur le Discord. Ce sera plus simple, je pense. Hop là, mon gars. Et ouais, t'as cru que j'allais la voir, ta cutscene? Eh bien non. Ne faites pas ça en rando, sinon c'est le softlock. Secondes. Ouais, pendant la cutscene de géant. Alors, la cutscene des géants, on aura largement le temps de faire ce qu'on veut. Dessus, puis il a fait un saut précis pour passer sous le rocher. Ah, c'est vrai que le dialogue de... J'ai combien de mots, là? 10, ça va. Le dialogue du Goron, du Link le Goron, il est quand même assez... Merde, mais j'ai oublié de split, moi. Merde. Et j'ai raté. Super. Ouais, la petite cutscene, on est content, on est content, oui on est content. Bon ça c'est... Cutscene elle est longue, donc Et du coup, pour le Fire, c'est genre, c'est ok de le faire sans Goron Tunique? Parce que t'as besoin de cœurs. Parce que avec 3 cœurs, Fire Temple, ça va être compliqué quand même en glitchless. Enfin, c'est comme le rando, quoi. Après, il y a des cœurs que tu peux prendre, à mon avis, qui perdent moins de temps que d'autres. Genre celui de Jabu, je pense qu'on peut le prendre, celui de Goma peut-être, vite fait.
Celui d'ici, éventuellement. Allez, libère-moi. Merci. Libère-moi. Alors... L'erreur. Quelle erreur ? En plus. Merde, c'était pas l'erreur à faire, ça. Bon, maintenant, faut que je monte tout. Non, je veux pas te parler. Bon, par contre, pour Majora, j'ai plus de chou. Et ça, ça fait un peu chier, quand même. Est-ce qu'on va arriver à faire sub 2, ça va être tendu quand même. Ça va être tendu du slip, cette histoire. Tu prends les 3 cœurs child, ça fait 6 cœurs. Ouais, 6 cœurs pour le fire, ça va. Enfin, ça va. T'as pas intérêt à te ramener à Volvagia avec moins de 5 cœurs. Putain, il y a le Fire Trial aussi, c'est vrai ça. Oh, oh le machin. Ouf. C'est chou quand même. Bon, j'ai quoi? J'ai 6 bombes. Ouais, 6 bombes, ça devrait le faire quand même. Je vais pas me rater 4 fois. Pas exagéré. Ah, remarque. Non, 3 fois. Donc. Non. Voilà, ça fait une. Bravo. Sérieux, mec, mets ton masque. Non, merde. Ça va passer. Oui. Allure, mon petit Yorg, Anne 2. Merde, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi j'ai enlevé le... Ça va être un peu limite, ça. Touche, au secours. Ouais. Je vais chier, de toute façon, il... Lise. Ouais, la musique aux fraises. D'accord. D'accord, frérot. Non, j'ai oublié. Bon, bah, on va se taper une bonne cutscene. Trop bien. C'est tellement dur. C'est des habitudes tellement dures à prendre. C'est quoi, on va se rendre la vie un peu plus facile pour Majora, vu qu'on y est.
Putain, fais chier. Bah j'ai le temps pour ta vidéo, ouais, du coup. Putain, merde. Mais encore ça va, c'est pas la cutscene la plus longue, celle de Björn. Alors, Daniel Balmond. Petit setup des familles comme on les connaît dans OT. Waouh! C'est stylé ça. Ah ouais, d'accord. Oh putain. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. WR fait un autre setup. Et genre ça fait gagner combien de temps en vrai? Ça me fait gagner 20 secondes? Ça fait gagner plus? Ça fait gagner moins? Et remarque moi. J'aurais bien aimé cette game, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Ça va être chaud pour le WR. Oh, quoique. Il me faut des choux par contre, ça j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas trop m'en passer. Non. Ça fait gagner 30 secondes. C'est quand même pas mal hein, quand t'es à ce point optimisé. Pour le sub. Le sub 2 heures là. Mais c'est faisable. J'y crois. Vas-y, j'achète 20, hein, on sait jamais. Ah bah trop tard, du coup. Bon, bon, avec 10 normalement. Si j'y arrive pas avec 10, faut pas s'inquiéter. Hein. Pas très dur de rentrer dans Cloud Tower. Hein. Miss Scam quoi. Merde. Je fais tout dans des ordres aussi. Viens le chien. Viens. Mais non. Bon bah vas-y. Va-t'en le chien. Voilà. Ease. On n'est pas serein sur Gurg. C'est dommage quand même que j'ai raté le storage. Faudrait que je le marque d'ailleurs en fait. Hein. Je vais marquer Gurg entre parenthèses storage. Mais après, est-ce que je vais y penser? Que grâce à ça je vais y penser parce que c'est pendant le combat qu'il faut appuyer sur start et réappuyer sur A donc il s'est passé quoi? Beaucoup de morts sur Majora. Rien de plus, rien de moins. Bon bah maintenant alors j'ai pas envie d'aller aux toilettes donc je crois que je suis mort 3 fois sur Majora donc c'est pas mal. En vrai, avec 4 cœurs, je vais tenter, si on s'en sort pas trop mal, de pas tuer les remains, mais si jamais ça tourne mal, ça va partir sur un sniping de remains. Non, faut pas faire étrier. Je
cette run, il y a beaucoup de temps à gagner. The Sum of Best qui est tombé à 1,53, c'est pas trop mal. On peut encore faire beaucoup mieux. Tu peux pas y avoir accès. Non, je crois que j'ai pas un seul. J'ai pas un seul masque hors transformation. Ouais, non, j'en ai pas un seul. Donc ça risque d'être compliqué. Même le Gip de masque, le Garou qui sont censés, et Captain Zat qui sont censés être les masques requis, on les a pas. Et même Any%, t'as pas les flèches de glace. Les flèches de lumière, on les a remplacées par une bouteille. Ouais, bon après, OT Any%, c'est... Enfin... C'est pas le vrai N% en plus ce que je fais là, c'est le N% NMG. Si tu prends l'équivalent dans OT, ce qui serait quoi, le GSR. Après, oh non, remarque, tu peux dire le No Room War. Le. Non, qu'est-ce que je dis, No SRM. Ou Defeat Ganon, voilà. Ouais, Defeat Ganon, t'as pas grand chose, c'est sûr. Defeat Ganon, tu passes. T'as même pas la Master Sword, t'es. Non, t'as pas grand chose. Bâton noir, épée, bouclier. C'est pas mal. T'as pas une bouteille aussi? Ouais, tu l'as dans la seconde phase de Ganon, est-ce que ça compte vraiment? Ouais, très important la bouteille. Très important, ne surtout pas oublier la bouteille. It stopped! We did it! It stopped! Step! Non. On a un magnifique angle de caméra sur l'entrejambe des géants aussi, ça c'est merveilleux quand même. Franchement, ils pouvaient pas faire mieux comme angle de caméra. De Babybel, putain. He's a mere garbage, putain, il l'appelle mere garbage. J'ai oublié à quel point il est genre méchant, Majora, dans la version. Remarque, je sais pas ce qu'il dit en version japonaise. Il est rude, exactement. Mere garbage, c'est. Oui, c'est ça, bon, c'est ça que ça veut dire. Mere garbage, c'est genre, c'est juste bon à foutre à la poubelle. Ça. Ouais, ouais. C'est ça, c'est inutile, inutilisable. Pas cassé, mais. Genre, ouais. Genre garbage, c'est genre les sacs poubelles, tu sais, c'est vraiment le truc que tu jettes. Genre quand on dit that game is garbage, ça veut dire que c'est vraiment de la merde, quoi. En vrai, j'aurais pu... J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Juste pour styler un petit coup. Ce serait bien qu'on crache, ça serait merveilleux. Allez, laisse-tu. Vas-y, arrête tes conneries. Je vois bien que t'y arrives pas. Ouais, ça doit être à peu près la même chose. J'ai déjà 30 flèches. Pourquoi tu prends ces flèches? Je sais
sais pas si j'ai assez pour 3 flèches de feu par contre. Je dois avoir assez pour 2. 3, ça va. Non, mais putain, mais je me trompe à chaque fois. Là, là, je trouve. Ah bah, j'ai plus de flèches du coup. Combien? Imagine. C'est vrai que c'est pas comme dans le rando. Oh, vas-y, maintenant, vas-y. De la magie, mais je préfère. Enfin bon, maintenant c'est trop tard. Mais aussi, ça me permet d'éviter d'avoir à équiper l'arc, parce que comme ça, je peux utiliser les flèches normales directement. Parce qu'on n'a plus besoin des flèches de feu maintenant. Ok, bon, ça va être tendu cette histoire. Ouais, ça casse les couilles. Ça casse les couilles quand tu te fais martyriser. Bon bah tant pis pour le sub 2. Hein. Tant pis, tant pis. Mais non, mais... Ça en plus pour que j'aille largement trop. Ouais. Putain, je sais ce qui sert. Quel enfer. Quel enfer. Ah, ils font chier ces remains aussi là. Sans déconner. Bon, si je me prends le moindre cœur de dégâts, je me tue avec. Ça va, hein, 2 heures. 2 heures, malheureusement. Il y a moyen de faire mieux, mais on progresse. Allez, c'est une deuxième run de fini. Prochaine run, on fait encore mieux. Prends ta... Vous êtes casse-cou. Pourquoi Majora phase 2 décide qu'aujourd'hui il me balancera full boule d'énergie? Please, laisse-moi tranquille.
Est-ce que tu peux arrêter? Merci. Du speedrun, 10% LMG no hit. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Jamais de la vie. Jamais de la vie, mon gars. Voilà. Attends, on a un goûteur à beurre. Bon, c'est le même à peu près. Hein. Je pense que la reine c'est la même. Merci pour les Gigi. Ouais, 2h02. Ça va. C'est ok. C'est ok. A gagné 24 minutes et 57 secondes. C'est pareil en termes de dégâts, ouais, ça fait 1 de dégâts. Genre si tu prends en comparaison les... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme ennemi qui soit pareil dans OT et MM? Genre qui ont le même point de vie. Les losers... Bah les... Non les... Putain merde, les... Les Tektites, je crois qu'elles ont 3 points de vie. Ouais, c'est ça, 3 points de vie. Et il faut 3 coups d'épée Kokiri. Dans les deux cas, je crois. Et ouais, c'est juste les boss qui ont... Genre, Majora a 40 points de vie. Donc ouais, ça fait pas mal. Donc il faut faire 20 jumpsages, du coup. Non, 40 à la troisième phase. Ouf, toi. Non. La troisième phase a 40 points de vie. La deuxième, je sais pas, elle doit en avoir 30 ou un truc comme ça. Et la première, ça doit être dans les 20. Il faut quoi? Attends, j'ai mis quoi? J'ai mis Fire Arrow x2, donc ça fait 8. Plus une autre Fire Arrow, ça fait 12. Ah, il a 13 ou 14 points de vie. 14, je pense. Crouch stab, c'est un de dégâts dans la version anglaise, et sinon, dans la version japonaise, c'est comme dans OT, ça garde la valeur de ton dernier. De ton dernier slash. Mais ouais, sinon, les crouch stab, c'est un de dégâts. Bah, tu mets 20 jump sash. C'est pas facile parce que faut jump sash cancel. Faut pas juste jump slash et spammer le jump sash. Faut faire jump slash, faire tourner le joystick, jump sash, faire tourner le joystick, jump slash. Et tu finis par un quick spin parce que c'est plus rapide que de re-jump sash par derrière. C'est pas facile les jump slash cancel au début hein, quand tu... Ça demande un peu d'entraînement, mais moi maintenant j'y arrive bien. Maintenant j'ai plus de problème pour les jump slash cancel. La prochaine fois je vais peut-être essayer vraiment... Genre si Shion ne pace pas trop mal, je vais essayer de... De tuer les remains avant hein, parce que... C'est terrible. C'est terrible de se faire démonter par les remains. Une fée en plus. Bah le problème c'est que t'arrives vraiment genre normalement juste après Georg
Bah en fait, le problème, c'est que normalement, il n'y a pas la fin de Grand B. Moi, c'était exceptionnel parce que j'ai raté le Song Storage, mais normalement, tu prends le Remain de Georg et tu fais... T'appuies sur Yes pour sauvegarder et tu reset. Donc t'arrives, en fait, tu reviens au premier jour, t'es littéralement cul nu, quoi. Et il te reste que des choux, normalement. Il te reste quelques choux parce que tu les as remplacés, mais qui sont toujours sur tes boutons C. Et du coup, eux, bizarrement, ils se font pas reset. C'est marrant, d'ailleurs. Et tu utilises ces choux, du coup, pour clipper à travers Clock Tower. Et puis voilà. Et puis c'est tout. tu prends tes flèches dans le fight de Majora, et puis bah, tu te démerdes. C'était ton couteau, exactement. Mais ouais, bon, en vrai, y'a quoi? Bon, y'a le début où on peut gagner du temps, évidemment, mais bon, ça ira pas plus loin qu'une minute, donc comme ça. Heroes Bow, on peut gagner du temps encore. Odalwa's Remain, il était solide, clairement, pas trop à se plaindre. Le by skip, bon, bah, tu gagnes un peu de temps, mais à moins de le first try, ça reste le by skip. Le Split Fire Arrow, il était bon. Le Split God Remain, il était dégueulasse. J'ai perdu 6 minutes, je crois. Ou 4 minutes. Et Light Arrow, pareil, j'ai perdu 6 minutes. Donc ça fait déjà 10 minutes à gagner en plus. 10-11 minutes, Twin Mode Remain c'était pas terrible, clairement il y a aussi je pense 10 minutes à gagner, peut-être pas 10 minutes mais 9 minutes, ça fait ouais, si tu prends New Wave et Georg ça fait une vingtaine de minutes, plus Majora où il y a largement 5-6 minutes à gagner. Bah, ça commence à faire des temps solides. Non, faut tout first try. Faut first try tous les tricks du run et puis on va arriver. L'endroit sur les crédits, l'endroit avec l'île flottante là, bah c'est Goron Village. C'est là où il y a, c'est la landscape en fait, la grotte que tu vois. Moi aussi au début je me demandais putain mais c'est quoi cet endroit. Et en fait j'ai fait mais c'est bien sûr la landscape. Ah, mais putain, d'accord. Je pensais que tu parlais du endroit. Oui. Effectivement, il y a pas mal d'endroits qu'on n'a pas vu. Ikana Canyon, on l'a vu zéro. Et quoi d'autre qu'on n'a pas vu? Il y a le Zora Hall, on l'a pas vu. Choper les masques pour les crédits. Ah, c'est même pas all mask du coup, c'est juste les masques pour les crédits. Non. Bon, le all mask est peut-être plus intéressant. Ouais. Ce tu fais vraiment tout le jeu, toutes les quêtes annexes principales. Et on save. Best ending. Ouais. Bah, il en faut pas énormément, ouais, c'est vrai. Bah après, les masses de transformation, de toute façon, t'as forcément besoin de Deku et Zora. Goron, tu peux le skip.
près, ouais. Jared Smash, t'en as pas besoin. Pardon, Garo, Gibdo, t'en as pas besoin. Mais par contre, du coup, pour Couples Mass, t'as quand même besoin de Cafe's Mass. Je pense. Ah non, quoique, attends. Si, je pense que t'en as besoin, t'as pas le choix. Bon! C'est pas trop mal. Bah, tu fais le glitch pour le repère, mais t'es obligé d'avertir Anju. Tu peux pas faire autrement. Anju, il faut qu'elle sache, il faut que tu lui aies donné le pendentif et tout, donc... Il faut forcément que tu lui aies fait Midnight Meeting. Bah ouais, sinon elle se casse. C'est ça le problème. Donc ouais, t'es obligé d'avoir Cafe's Mask quand même. T'es obligé de faire Midnight Meeting, t'es obligé de d'aller parler à Cafe pour qu'il te donne son pendentif. Pas obligé de poster la lettre par contre, je crois. Enfin bon, ça, peu importe. Joseph. Et ouais, après. T'es quand même obligé de faire Crémia, et ça c'est. Ah non, remarque, t'es pas. Ah bah non, t'es pas obligé de faire Crémia. Ah bah si, il y a Romanisma, donc si t'es obligé de faire. Donc Crémia, c'est. Romanisma ou c'est. Une bouteille. Non, c'est une bouteille. Non, c'est, une c'est Romanisme, oui. Oui. Ah, Express Mail est pas nécessaire. Bon. Bon, c'est quand même nice. On a gagné 24 minutes, 25 minutes sur... Sur le run précédent. Voyons voir si on peut faire aussi bien cette fois. Et puis bah en attendant, on va aller raid.